Grève en cours dans certaines raffineries. Et à la manœuvre de ce mouvement, la CGT, les blocages continueront, s'intensifieront, même tant que la loi travail ne sera pas abandonnée. Une question ce matin, cette stratégie jusqu'au boutiste, est-elle la bonne? Oui, répond Anne Deharaud, déléguée CGT. Ce n'est pas du tout l'avis d'un autre syndicat, la CFTC, et son vice-président Joseph Touzenel. Il nous semble dangereux de jeter les salariés en permanence dans la rue. Derrière, on voit qu'en plus, il y a des actes de violence. Et nous sommes dans une situation particulière aujourd'hui. La lutte contre le terrorisme et les forces de police, elles ont sans doute autre chose à faire qu'à encadrer des manifestations. Quand nous sommes mécontents, il faut le dire, il faut l'affirmer, mais il y a des moyens de le faire. Et je crois qu'il est toujours plus efficace de faire la politique des petits pas que celle qui promet le grand soir. On sait ce que ça a donné. Joseph Touvenel, interrogé par Amélie Rosic.